François Coulombe-Giguère, juste pour toi. Qu'est-ce qui fait chanter le petit Simard à part les petits poudings, à part les petits poudings? Qu'est-ce qui fait chanter René Simard à part les petits poudings, à part les petits poudings? Qu'est-ce qui fait chanter le petit Simard? C'est du temps, l'embrut, t'es beaucoup d'efforts. En moins d'un an, l'enfant gentleman passe de télémétropole à la place des arts. Il domine les ventes avec la chanson d'oiseau et triomphe au festival de la chanson de Tokyo. Ses petites japonaises sont folles de lui, l'enfant, pas comme les autres à l'Olympia de Paris. Malgré l'adolescence, ça va suivre sans souci pour les Jeux Olympiques et tourner aux États-Unis. Télé, comédie, mise en scène, les galas, la la la, il chante, c'est clair pour ce gars-là. Mais l'amour reste le plus beau cadeau de la vie avec Marie-Josée, Olivier et Rosalie. Si les épreuves testent ta résilience au passage, tu sais ce que t'as à faire, tourne la page. Si un avion d'acier vient déchirer ton ciel, tourne la page, vas-y, tourne la page. Si un jour tu comprends plus rien à l'amour, c'est peut-être le temps que tu tournes la page. C'est la première fois qu'on te rappe ta vie. Ben écoute, hey, c'est un jeune qui parle des petits poudings, qui parle du Japon, ça je trouve ça assez... C'est le hip-hop, le hip-hop, le hip-hop. Écoute, c'est formidable, bravo! Merci beaucoup! Ben,